Bonjour et bienvenue à notre émission de littérature, le livre à la portée des mots. On est content de vous avoir dans cette nouvelle série où on parle de littérature. Et cette semaine, on va parler de littérature populaire, de best-seller, de ce que les gens aiment lire. Et avec moi, toujours, ma fidèle complice, Pauline Lapointe, qui est toujours là, qui est responsable des bibliothèques pour la ville de Louisiane et impliquée dans le projet. Et Mme Liette Caron, qui est technicienne en documentation à la bibliothèque de Baume-Sessigny et aussi responsable des achats. Donc, c'est toi qui achètes ce qu'on dit. C'est ça. C'est ça. Bon, on va commencer par ça, en fait. Les achats de livres, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens, est-ce que c'est toi qui décides, bon, ça, les gens vont aimer ça, lire ça, ou les gens vont venir te voir pour te demander qu'est-ce qu'on... On peut-tu avoir ça? Quel livre? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne beaucoup comme ça. Oui. Les gens font des demandes d'achat, si okay. on veut. Ils se présentent au comptoir de prêt, demandent à nos collègues au comptoir de prêt, bon, ben, avez-vous ce livre-là? Si on ne l'a pas, on fait une demande d'achat. Okay. Moi, à chaque semaine, je vérifie toutes ces demandes-là. Puis souvent, je vous dirais qu'à 99 % des cas, le livre est acheté. Si on n'est pas capable de l'avoir, c'est un livre qui est trop ancien ou qui date de quelques années, bien, on a aussi le prêt entre bibliothèques. Ça veut dire qu'une autre bibliothèque, ça, a le livre, puis elle vous le prête, puis vous, vous le prêtez. C'est ça. Puis nous aussi, on le fait ça aussi pour les autres bibliothèques. Souvent, les autres bibliothèques vont nous faire des demandes. Et c'est ça, c'est un beau service qu'on offre aussi. Là, ça élargit énormément la collection à ce moment-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous voir pour vous parler de ce qu'ils aimeraient lire? Oui. Oui, quand même. Oui, vraiment beaucoup. Je vous dirais presque 50 % de la clientèle. Ah oui, OK. Oui. Si tu me permets, toutes les émissions d'intérêt public, les gens vont arriver parce qu'ils ont écouté « Salut, bonjour », qu'ils ont écouté l'émission avec… À la radio, l'émission. C'est ça. Il y a plein de choses. Ou ils vont avoir lu dans le journal. Là, ils arrivent à la bibliothèque, mais règle générale, ils arrivent. J'ai écouté « Salut, bonjour ». Le livre, il parlait du Grand Nord. Je pense que c'était… C'est très rare qu'ils arrivent avec l'auteur et tout ça. Donc, nous, on fait la recherche là-dedans pour être en mesure de répondre. Ce qui est important pour nous, c'est le client d'abord à la bibliothèque. Donc, les collections sont développées au goût du jour. Et que, tout à l'heure, on avait jasé avant d'enregistrer, c'est qu'on a des espions dans tous les genres littéraires qui nous permettent d'arriver de dire, bon, mais il est sorti tel livre sur le suspense, sur les romans, sur les voyages, etc. Donc, on s'abreuve de cette information-là pour justement là, développer au niveau là, des services. C'est important parce qu'au-delà d'avoir des livres, tu veux qu'ils sortent, tu veux que les gens les lisent. C'est pas juste d'avoir des livres qu'on met sur une tablette. Un livre sur une tablette, c'est pas payant. Puis justement, c'est que souvent aussi, les gens vont avoir un avenue sur la littérature. Ça va aller juste du roman suspense. Donc, on peut venir épuiser dans nos auteurs. C'est pour ça que tout à l'heure, quand ma collègue vous parlait là, de livres de prêt entre bibliothèques, ça nous permet d'élargir notre collection et de répondre au mieux. Puis souvent, moi, si je vous dirais statistiquement parlant, il y a 20 ans, du prêt entre bibliothèques, on en faisait peut-être une dizaine par année. Et maintenant, on saute au-dessus de 250, 300 demandes de prêt à l'extérieur et on en reçoit autant des autres municipalités. Puis on va emprunter aussi à la grande bibliothèque. On va emprunter dans des bibliothèques universitaires aussi. Puis on emprunte pour monsieur, madame, tout le monde. Les gens vont penser, bon, l'ouvrier, ce qui n'est généralement pas le plus grand lecteur, va venir nous voir parce qu'il a à passer son examen sur la construction. Oui, oui. Donc, nous, on va faire les recherches pour trouver ces guides qu'il a besoin de lire avant d'aller passer son examen. Ça fait que c'est vraiment, là, si les gens pensent qu'ils ne peuvent pas trouver leur livre, venez nous lancer des défis, on aime ça faire lancer des défis. Je sais, je t'ai testé quelques fois, puis en général, ça a bien fonctionné. Puis tu disais, y a-t-il un moment où tu te dis, bon, ce livre-là, on pourrait l'emprunter à une autre bibliothèque, mais on pourrait l'acheter parce que ça risque de servir plus souvent qu'une fois? Y a-t-il un choix comme ça qui se fait ou vous y allez toujours en disant, bien, si on peut l'emprunter, on va l'emprunter puis on va acheter des trucs plus récents? Ou, je ne sais pas comment ça fonctionne. On y va surtout, on connaît bien notre clientèle aussi. Oui. Fait que si on voit qu'un titre, bon, peut-être que c'est plus spécifique et tout ça, qu'il n'y a peut-être pas une grande majorité de nos clients qui vont l'emprunter, on va y aller en PEB, en prêt en bibliothèque, c'est l'abréviation. Et à ce moment-là, si, par exemple, c'est un livre d'un auteur connu, qu'on a déjà beaucoup de livres de cet auteur-là, bien, ça, on n'hésite pas, puis on l'achète à ce moment-là. Oui, c'est génial. Puis on achète même des fois en deux exemplaires ou en trois exemplaires pour répondre à la clientèle. Oui.
Comment qu'on va commencer ça? Là, on a des livres, ce qu'on appelle des best-sellers, des valeurs sûres, des gens, la littérature de loisirs, des gens qui veulent se changer les esprits la fin. Le terme best-seller, ça signifie, bon, meilleur vendeur. C'est institutionnalisé, ce terme-là, là, quand ils ont c'est comme un disque d'or, à quelque part. C'est en fait ça. C'est règle générale, c'est ça. C'est le livre qui est édité en plusieurs langues, qui est vendu dans un plus grand nombre d'exemplaires. Puis best-seller, c'est de la littérature plus facile, si on veut. C'est du loisir pur et simple. Quelqu'un va aller voir un film, il y en a qui vont préférer lire le livre. Souvent, le best-seller aussi va être traduit, va avoir été porté à l'écran. Là, ce qu'on s'imagine, c'est que tu t'en vas en vacances, tu es assis sur le bord de la plage, dans ta chaise longue, tu lis un livre. C'est ce genre de livre-là qu'on lit. C'est ça. Tu vas amener, là, pour te donner des exemples, Nicolas Sparks. Bon, mais Les pages de notre amour. Qui n'a pas vu le film? C'est issu d'un livre. Okay. Quand on dit qui, bon, mais c'est ça. Best-seller, c'est le plus grand nombre de gens l'ont lu ou l'ont vu. Donc, c'est ce type de livre-là. Est-ce que les best-sellers, il y a une clientèle cible, en fait? Dans le sens où, là, tu parles des pages de notre amour, c'est souvent histoire d'amour, mais y a-t-il des best-sellers? Là, je vais penser à Dan Brown, c'est plus des intrigues historiques. Oui, effectivement, le Dan Brown va être considéré aussi comme un roman best-seller. Parce que le lectorat, comme tel, il y a différents goûts et ça se traduit par ça. Pourquoi Dan Brown devient un auteur best-seller? C'est qu'il est lu. Généralement, tout le monde qui va aimer ce style de livre-là vont le lire. C'est pour ça que nous, on va. Puis, il a été acheté. C'en est un qui a été acheté en deux exemplaires, puis probablement trois exemplaires. Oui, okay. Parce que nous, dans la politique, si on a plus que 10 personnes qui veulent avoir le livre, si on ne veut pas qu'il aille dans un an et demi, on va racheter un second exemplaire là, pour le mettre au public. Ça devient des références, en fait, là, ces best-sellers-là. Mm. Tu sais, je voyais Danielle Steele, ma mère. Danielle Steele, c'est un lectorat féminin. Oui, faut pas se le cacher. Ça, c'est un peu. Tu sais, par rapport au roman Arlequin, là, on est comme, c'est plus complexe, plus dense Arlequin un peu. Étoffé. C'est ça. C'est de l'Arlequin étoffé. Oh, j'aime ça, OK. C'est ça. Mais entre autres, Danielle Steele, elle a au-dessus de 100 romans à son actif, puis ça, c'est sûrement passé. On ne les a pas tous comptés, mais elle en édite à peu près 4 par année. Et ça fait 24 ans que je suis dans les bibliothèques. Ben, t'es dans les bibliothèques quand tu es arrivé. Oui, c'est ça. Tu sais que Danielle Steele, là, mettons, au niveau de l'horreur, on va penser à Stephen King, on va penser, c'est les classiques, en fait. C'est ça, comme au niveau du suspense, il y a James Patterson qui est extrêmement bon. Okay. Puis souvent, on va voir James Patterson en collaboration avec des nouveaux auteurs de suspense. Okay. J'ai comme l'impression qu'il met son nom pour mousser. Pour parrainer. Un nouvel auteur du genre. Puis ça, c'est une valeur sûre en suspense. Moi, j'aime pas quand c'est trop sanglant et tout ça. Il n'y a pas trop de détails. Les chapitres sont courts. C'est vraiment le fun. C'est facile d'embarquer dans le genre. Puis on commence, puis on veut le finir. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Là. Oui, OK. C'est dépendamment dans la période où tu es aussi, parce que le roman plus étoffé va demander des heures de lecture plus tranquilles. Donc, ce qu'on a apporté, c'est le genre de roman où, quand tu es dans le gros boom de ta famille, où tu lis, as juste une demi-heure pour lire. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de te rappeler ce que tu as lu, puis tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est de la littérature de détente. Moi, je dis souvent, il ne faut pas banaliser ce type de littérature-là. Souvent, ça va éviter les dépressions de l'hiver, là, c'est dur. Bon, ben, on va aller chercher des romans qui vont être dans le sud. Donc, ça nous permet de voyager. Puis souvent, on va aller chercher aussi du vocabulaire à l'intérieur de ces livres-là, de la géographie et tout ça. C'est sûr que ce n'est pas le but premier, mais ce n'est pas négligeable non plus là, au niveau. Il ne faut pas se cacher pour dire qu'on lit ce genre de littérature-là. Puis quand on parle de littérature best-seller, bien, je pense qu'on ne pouvait pas aujourd'hui passer à côté du fameux 50 nuances de gris. Oui, que j'ai pas lu, mais que tu devrais peut-être lire, on ne le sait pas. Donc, on sait qu'il va être à l'écran après les fêtes. 50 nuances de gris, quand il est arrivé en bibliothèque, pour vous relater comment ça s'est passé, on a un lectorat qui est prude où il faut faire attention. Parce que si le livre est le moindrement osé, il apporte le livre, puis ils garochent ni plus ni moins sur le comptoir, puis ils disent « non, garde, faut pas faire ça ». Donc, on voulait pas choquer ce type de littérature-là. Et on n'est plus à l'époque où on censure la littérature. Donc, on met tout. C'est qu'on avait mis dessus « littérature explicite », comme on voit dans les vidéos, des choses du genre.
Fait qu'on avait mis ça, on a été peut-être 6 mois à peu près avec ça, justement pour aider. Là, on s'est rendu compte que le monde se cachait le livre parce que c'est écrit. Parce que si tu vois le livre, il n'y a rien qui est explicite dessus. Ça fait que là, on l'a enlevé. Et maintenant, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'auteurs prolifiques. Il y a des auteurs qui ont fait des sous avec ça parce qu'on a quoi? Maintenant, on est peut-être rendu à 3-4 auteurs qui écrivent ce genre de littérature-là. Okay. Et c'est très en demande. Donc, pourquoi se cacher? On peut lire de tout. Comme on veut. C'était vraiment, mais je tenais à vous dire, comme des fois, il faut faire comme attention. Mais on peut avoir n'importe, peu importe le lectorat. Moi, je me souviens, dans mes premières années à la bibliothèque, j'avais une madame qui, elle disait qu'elle cachait son livre. Puis arrivait, ben, je travaillais des petites littératures grivoises. On faisait des recherches, mais elle était contente. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais livre, que ce soit pour la jeunesse ou pour les adultes. C'est vraiment d'y aller pour répondre à notre client. Puis du jour au lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Puis on peut lire toute notre vie, ça, mais l'important, c'est de lire. Ben moi, je vends la littérature, je suis vendu à la littérature, je suis tatoué à la littérature. Quand on est dans ces histoires-là, où on est, l'histoire d'amour, les trucs un peu du harlequin haut de gamme, comme on disait, est-ce qu'il y a, beaucoup d'hommes qui lisent ça aussi, ou c'est en général que des femmes? Généralement des femmes, mais on a quand même... Mais si on y allait en pourcentage, je ne pense pas me tromper. Mettons qu'on aurait 90 % c'est les femmes, 10 % c'est des hommes. Dans le best-seller. Puis s'il n'y avait pas la gêne, peut-être qu'on aurait plus. Oui. Parce que si... Puis on parle de littérature, puis on recule, parce que je suis plus jeune. Les photoromans. Oui. Moi, je me souviens des photoromans. Mon père, qui était un homme baraqué, qui travaillait dans le bois durement, partait avec une pile de photoromans dans le bois. Puis les hommes se passaient les photoromans. Ben oui. Ça, c'était dans le bois, personne ne le voyait. Mais si c'était la même chose, si les couvertures étaient peut-être pas aussi criantes ou quelque chose du genre, peut-être que les gens... Des fois, je me pose la question avec le livre numérique. N'importe qui va pouvoir lire n'importe quoi. On ne s'affiche pas avec aucune couverture ou quoi que ce soit. Puis, y a-t-il des livres dans ce genre-là qui ont un public qui a un public masculin, en fait, des livres souvent écrits pour des gars? Hey, comme je vous parlais tout à l'heure de James Patterson, les suspens, c'est plus prisé par les messieurs. Par les messieurs. Les livres... La collection Bragelonne. La collection Bragelonne, les livres fantastiques. Oui. Après ça, dans les livres québécois aussi, il y a certains auteurs comme Patrick Sénécal, qui est très prisé par la gente masculine aussi. Parce que lui, c'est assez... un gros suspense dur. Puis moi, je veux noter quelque chose par rapport au film, parce que souvent, il y en a qui disent « on va attendre que le film sorte pour le lire », mais avez-vous remarqué que chaque fois qu'il y a un film qui sort d'un livre, les gens qui ont lu le livre disent « oh non, le livre, c'est meilleur ». Et ça, c'est la preuve qu'on est mieux de lire le livre que d'attendre le film. Oui, bien moi, excuse-moi, Pauline, je dis souvent « le livre, le film, oui, après 1h30, 2h, c'est terminé, tandis que le livre, c'est des heures et des heures de plaisir ». Puis on imagine les choses aussi, ça se passe. Oui, le livre, le film, on nous propose les images et le livre, on se fait nos images. Ouais. Donc, quand tu le vois à l'écran, ben, peut-être que le protagonisme, c'est peut-être pas effectivement comme ça que tu le voyais, la femme, tu la voyais pas comme ça, ou les enfants, le décor, tu le voyais pas comme ça. Ouais. L'important, c'est de faire marcher justement notre imaginaire à ce niveau-là. OK, on continue de faire le tour des livres que tu nous as amenés. Il y a l'auteur Cathy Kelly aussi. Cathy Kelly. Donc, je ne connais pas. Elle est moins connue. Elle écrit au moins un livre par année également. Puis c'est vraiment un auteur très populaire. Okay. Quand elle arrive sur les rayons... Le public cible, c'est? Les dames. Les dames. Un peu comme Danielle Steele, si on veut. Il y a aussi Nora Roberts, qui est énormément populaire. C'est vraiment le genre. Nora Roberts, ça fait des années. Des années. Ça fait 25 ans, 25 à 30 ans. Qu'elle est sur les tablettes, qu'elle édite du roman, là, grand public. Y a-tu des... au niveau des best-sellers, tu sais, là, on parle des fois de littérature, je dirais pas plus facile, bien, on l'a dit, un peu plus facile, plus légère, mais y a-tu des fois des best-sellers qui sont relativement denses, puis les gens s'arrachent quand même, parce que, je sais pas, moi, ça les transporte ou... Là, je ne sais pas si toi, t'en as qui te viennent en tête. Je vois les pages, couverture. Mais tu sais, comme mettons, Éric Emmanuel Schmitt. On les a tous, ça, ils vont sortir. C'est pour ça que là, tu me prends avec un petit blanc de mémoire. Mais il y avait une série, je ne serais pas capable de te le sortir. Mais oui, effectivement, et ça va être plutôt un lectorat de jeunes adultes.
OK. Ça va être moins. Les jeunes adultes, maintenant, au niveau de la lecture, vont aller en littérature un petit peu, justement, comme tu dis, plus dense ou ça va être plus historique, basé sur les faits historiques. Puis, ce qui est un autre fait à noter, tu as le trône de fer. Oui. Donc, les jeunes sont en train de lire. Je fais « Ah, moi, je l'ai lu aussi quand j'étais plus jeune. » Fait qu'il y a des choses qui restent. Il y a des valeurs sûres, oui, puis justement, de ce genre-là. Il y a des modes qui sont créées beaucoup. Là. Moi, je vois la mode des zombies avec Walking Dead, en fait, la série. C'est, mais c'est une série de bande dessinée qui a 10 ans puis qui a ramené ça au goût du jour, en fait, parce que, justement, ils sont capables d'accrocher les jeunes. Oui, c'est ça. Tantôt, on parlait de la littérature érotique. Il y a eu un boom extraordinaire suite à 50 nuances de gris. Ouais. Il y a eu les vampires qui ont été hyper populaires pendant Twilight, la série. Oui, c'est ça. On a eu Anne Rice il y a peut-être 15-20 ans, puis là, ben, c'est revenu avec la série Twilight. J'imagine aussi avec la sortie des films comme Le Seigneur des Anneaux, on a eu ça aussi. Là, l'éclosion, c'est ça. Oui, tu sais, Le Seigneur des Anneaux, les gens se sont mis à le relire. Moi, je disais, moi, Seigneur des Anneaux, je l'ai lu 3 fois. Parce que, justement, c'est... Ah non, c'est parce que c'est très bon. Et tu redécouvres, c'est le genre de littérature que j'aimais lire. Donc, on redécouvre parce que c'est un monde. Fait que c'est justement, il y a souvent des choses, c'est au cours du jour, puis ce qui nous est proposé énormément, là, au niveau du moment présent, là, au niveau de la littérature. Si j'ai Cecilia R. Iron. Excusez, non, mais je suis pas très bon. J'ai mis à prononcer mon nom, imaginez. Ça, on est dans quel genre ici, là? C'est encore le même genre. Oui. Cathy Kelly, Daniel. Oui, facile, drôle. Le film PS I Love You, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, malheureusement. Ça a été un énorme succès cinématographique. Okay. Tellement. Moi, je l'ai vu, je l'ai revu, j'ai adoré, j'avais lu le livre aussi. OK. Mais c'est ça. Souvent, quand on lit le livre d'abord, je pense que c'est mieux. Puis, fait que là, ce que je comprends, c'est que les best-sellers, c'est vraiment un nid pour les films, en fait, là, parce que les gens, c'est des histoires extraordinaires, puis des fois, on veut apporter ou porter ces histoires-là puis les donner à un plus grand nombre de personnes, en fait. Là, c'est ça. Au niveau de la littérature. Moi, j'aurais peut-être un dernier auteur peut-être moins connu, celui-là, qui s'appelle David Safier. Moi, je me suis bidonnée, comme on dit, en lisant ce livre-là. C'est pas recherché, là. Okay. Mais c'est tellement absurde qu'à un moment donné, on se dit, ben voyons, Puis tout à l'heure, je vais vous en lire un extrait, c'est tellement drôle. C'est quelqu'un qui elle meurt, puis elle est réincarnée en différents animaux. Okay. Elle commence par une fourmi, un ver de terre, un hamster, un chat, un chien. Dans sa vie, elle était pas gentille. Okay. Fait que là, ça lui montre, elle revient sous ces différentes formes-là, puis ça lui montre plein de côtés. Puis quand elle revient à la fin, je vous dirai pas la fin parce que c'est vraiment, vraiment le fun, mais ça, là, ça a été un des livres les plus rafraîchissants que j'ai lus, je vous dirais. En aimant les animaux, c'est puis on est vraiment dans une histoire du quotidien, en fait, là, parce qu'on voit la vie, l'ironie, en fait, de la vie. Vraiment. Bien, as-tu le goût de nous en lire un extrait? Oui, je vais vous lire le début. Le jour où je suis morte n'a pas vraiment été une partie de plaisir. Pas seulement à cause de ma mort, en réalité, celle-ci est péniblement arrivée, bonne sixième dans la série des pires instants de cette journée. À la cinquième place figurait le moment où Lily m'a dit, en me regardant de ses yeux ensommeillés, « Maman, pourquoi tu ne restes pas à la maison aujourd'hui? C'est quand même mon anniversaire. » À cette question, une réponse m'a traversé l'esprit. Si, il y a 5 ans, j'avais su qu'un jour ton anniversaire tomberait en même temps que la remise du prix de la télévision allemande, j'aurais tout fait pour que tu viennes au monde plus tôt, avec une bonne césarienne. Au lieu de cela, je lui ai répondu tendrement. Je suis désolée, mon trésor. Lily mordillait tristement la manche de son pyjama. Ne supportant pas de voir ça plus longtemps, j'ai aussitôt ajouté la formule magique qui ramène le sourire sur n'importe quel visage d'enfant. « Tu veux voir ton cadeau d'anniversaire? » Je ne l'avais pas encore vu moi-même. C'est Alex qui s'en était chargé, parce que depuis des mois, j'avais tellement de travail à la rédaction que je ne faisais plus aucune course. Notez que ça ne me manquait pas. Rien ne me tapait autant sur les nerfs que de perdre un temps précieux à faire la queue au supermarché. Je ne sais pas si vous voulez... Ça, c'est le début. Oui, je pourrais peut-être vous lire... Tout à l'heure, j'ai lu le résumé, puis c'était vraiment... Animatrice de talk show, Kim Lenge est au sommet de sa gloire quand elle est écrasée par une météorite. Dans l'au-delà, j'aime ça. Elle apprend qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de son existence.
Non seulement elle a négligé sa fille, comme je vous disais tout à l'heure, et trompé son mari, mais elle a rendu la vie impossible à son entourage. Pour sa punition, Kim se réincarne en fourmi. Et le pire reste à venir. De ses minuscules yeux d'insecte, elle voit une autre femme la remplacer auprès de sa famille. Elle doit au plus vite remonter l'échelle des réincarnations. Mais de fourmi à bipède, le chemin est long. Kim devra surmonter bien des obstacles et au passage revoir la plupart de ses conceptions sur l'existence. Tour à tour incisif, léger et émouvant, Maudit Karma est un roman jubilatoire. Wow! J'aime ça, ça me donne le goût de lire ça, de lire oui. ça. Je vais mettre ça oui. sur ma pile, ouais, parce que là, c'est des piles chez nous. Là. Des fois, tu ajoutes un livre, puis là, tu fais « Oh, ça devrait être dans 6 mois! » Puis est-ce que, tu sais, on a fait beaucoup de parallèles avec les films, mais souvent, quand il y a des nouveautés dans les films, on les attend, on a tellement hâte, on sait la date de sortie. Ça arrive-tu dans les livres aussi qu'il y a des attentes? Un auteur va sortir quelque chose de gros, puis là, vous sentez, là, les gens font la queue à la porte avant que ça ouvre pour aller le chercher quand il va sortir. Oui, on va avoir des clients qui sont fâchés que le livre n'est pas édité encore. Ça va être les auteurs prisés. Ouais. On va prendre les séries Adélaïde de Marie-Laberge. On savait qu'il y aurait un tome qui suivait. Donc, quand elle terminait d'écrire son livre, à la fin, à suivre. Là, les gens l'amènent, ils l'ont aimé, puis ils veulent avoir la suite. Elle l'a pas écrit encore. Là, ils veulent qu'on prenne la liste et de semaine en semaine, ils se présentent. Est-ce qu'il est édité? Non, il n'est pas édité encore. Donc, les gens vont anticiper, vont avoir hâte de l'avoir. Souvent, c'est ça. C'est si les gens écoutent les émissions à caractère public, le livre n'est pas arrivé encore. Moi, je suis en train de lire Femme à chien. Okay. Donc, Femme à chien, c'était un blog sur Internet et le pharmacien a écrit une bande dessinée, livre de ce blog-là. Il n'était pas arrivé encore. Si j'étais une de ses clientes, on l'a dit. Mais moi, j'ai demandé le vendredi parce qu'il faisait son lancement l'après-midi, mais il tombe en librairie juste le lundi. Fait que ça arrive souvent, la pire fin là, de semaine. J'attendais mon pharmacien. Mais moi, je fais l'inverse, en fait. Là. J'étais en train de lire une trilogie de Charles Burns, puis j'ai attendu que le troisième soit sorti avant de commencer le premier. Je savais que j'allais aimer ça. C'est un auteur que j'aime. Il y en a plusieurs qui font ça. Puis il y a des auteurs qui nous jouent des tours aussi. C'est qu'ils vont écrire une série, puis ils vont écrire, après, quand ils voient que probablement que ça a été quand même pécunier, ils vont l'avant-série. Ouais. Ça, pour des techniciens dans la documentation, faire le traitement du livre, là, c'est le mal de tête d'être tantinet. Mais il arrive avant. C'est un mal de tête d'être capable de le ramener. Là. Les Star Wars et compagnie nous ont cassé la tête dans le traitement de livre pour être capable de répondre à notre client. Parce que quand on parle des Star Wars et compagnie, c'est qu'il y a des séries à l'intérieur de la série, qui est oui. Donc, quand tu fais ta première, ça va bien. Là, ils ont ressorti 2 tomes de l'avant-première, puis ils remettent quelque chose en parallèle. Fait que c'est assez amusant. C'est assez difficile. Hey, bien, c'est déjà terminé tout ça. Merci beaucoup. Ce qu'on comprend d'ailleurs, c'est que si vous voulez avoir un livre, vous pouvez aller le demander. Souvent, on va l'acheter juste pour vous. Puis on va pouvoir en plus le faire partager à plein d'autres mondes que vos goûts sont bons. Donc, les autres peuvent aussi les lire. Merci, Liette Caron, qui est responsable des achats. C'est la personne à aller voir si vous voulez acheter un livre. Et Pauline Lapointe, qu'on va retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Livre à la portée des mots. Merci d'avoir été des nôtres, je m'excuse. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au Québec, chaque année, la SOPFEU recense plus de 150 incendies provoqués par les articles de fumeurs. Afin d'éviter qu'une simple balade en forêt tourne au drame, évitez si possible de fumer en vous déplaçant. Si vous désirez griller une cigarette, faites-le en prenant une pause. Pour vous assurer de bien éteindre votre cigarette, vous devriez la tremper dans l'eau, l'écraser dans le sable ou tout simplement l'écraser fermement sur la semelle de vos chaussures ou sur une pierre. Enfin, prenez soin de jeter allumettes et cigarettes éteintes dans les endroits prévus à cet effet. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. J'aurais jamais dû les rejoindre.
Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas, là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Ne risquez pas votre vie pour un message banal. Encore tiré. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Les promenades en véhicule tout-terrain sont très agréables. Mais saviez-vous qu'elles peuvent être la cause d'incendies de forêt? Lorsque le danger d'incendie est élevé ou extrême, il faut se montrer extrêmement prudent dans nos déplacements. Afin de diminuer les risques d'éclosion d'incendie, privilégiez les sentiers sur sol minéral. Évitez de vous promener hors des sentiers et ayez un extincteur à bord de votre véhicule. Lorsque vous vous promenez en forêt, du combustible léger peut se loger sur les parties du véhicule qui dégagent beaucoup de chaleur. À cet effet, n'oubliez pas de nettoyer le tuyau d'échappement et le moteur, car ils peuvent aisément mettre le feu au combustible léger qui s'y trouve. Dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts.